Après avoir créé du contenu, maintenant, il faut s'occuper d'autre chose, c'est l'engagement. Je vais vous montrer comment créer du contenu engageant sur les réseaux sociaux. C'est parti pour un nouvel épisode de Miss Digital. Alors l'engagement c'est quoi? C'est juste en fait une réaction après avoir vu votre contenu de la part de votre communauté. Par exemple, si vous postez, ça peut être un like ou un commentaire ou même un partage en story. Aujourd'hui, on ne va pas s'occuper du fil d'actualité, mais plus des stories. Alors, comment on va créer de l'engagement en story? C'est facile. On va utiliser les stickers en story qu'Instagram offre. Ça peut être par exemple un sondage, les questions et même les quiz. On va faire les trois. On commence par les sondages. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est un sondage. On va utiliser ces deux jupes. Ça peut être, par exemple, si vous avez une collaboration avec une marque, demandez à votre communauté laquelle des tenues elle préfère. On va prendre la première jupe en photo. Ensuite, la deuxième. Voilà. On clique sur OK. Et là, on va dans les stickers, on choisit sondage. Et on va écrire une question. Laquelle choisir? Et là, maintenant, vous pouvez poster en story. Alors, le deuxième sticker qu'on va utiliser, c'est le plus populaire, ça s'appelle « Questions ». Ça va vous permettre vraiment d'avoir des discussions assez longues avec votre communauté, d'échanger avec eux. On peut même faire un boomerang pour changer. Vous pouvez même en fait changer la couleur du sticker. On va mettre orange. Et là, vous pouvez le mettre en story. Le troisième et dernier sticker qu'on va voir ensemble s'appelle les guides. L'idée est simple, vous donnez une devinette avec les réponses et vous laissez à votre communauté choisir la bonne. On prend une photo simple. Et vous laissez votre communauté deviner la bonne réponse. Donc voilà trois contenus à faire si vous êtes créateur de contenu mode sur les réseaux sociaux pour augmenter votre engagement. On se donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode de Miss Digital. Bye!